Sophie, évidemment. Salut tout le monde. Voilà. Fufu va ouvrir 12 boosters. Voilà. Sophie va ouvrir 12 boosters. Il y a par boîte 2 secrets obligatoires, minimum et maximum. Il ne peut pas y en avoir 3. En tout cas, on n'en a jamais vu encore. À moins d'un bug. Et ça serait cool que ça tombe en vidéo. Sur nous, hein, voilà. Donc. C'est du One Piece, ça vient de sortir, ce n'est pas traduit en français, ça n'existe pas en français pour l'instant. Au Japon, c'est la folie, j'ai raconté une petite anecdote, des gens achètent carrément des détecteurs de métaux très puissants pour passer les cases qui contiennent 12 displays aux détecteurs de métal parce que la Shanks contient un peu de poussière de métal et la carte vaut entre 1000 et 1500 dollars. Donc c'est totalement fou ce qui se passe autour de One Piece. Ça vient d'arriver en France, on espère avoir la Shanks. On espère avoir un peu de chance. Exactement. Voilà. Dans cet opening. Et Fufu ne s'est pas spoilé. Moi, je me suis spoilé. Sophie ne s'est pas spoilé non plus. L'avantage, c'est donc. Là, vous avez sous les yeux OP01. C'est écrit en haut à gauche. Voilà. C'est donc le set de base One Piece. Si vous avez l'occasion ou que vous pouvez en acheter un, parce que tout est déjà en rupture partout en France, mais si vous pouvez encore en acheter un, coffrez-le parce que ce set de base-là, dans un an, ça va même sûrement valoir littéralement une fortune. L'avantage aussi, statistiquement parlant, c'est qu'en deux displays, vous avez tout le set. Donc ça, c'est cool, comme tous les sets de base, c'est vraiment cool. Ils n'ont pas surabusé des secrets et tout. Tu sais, en mode, faut que t'en ouvres 20 si tu veux te faire plaisir. Tu te fais plaisir avec 2, 3, 4 displays sans aucun problème. Et pour tout avoir, il faudrait une moyenne de 10 displays. Donc, c'est large faisable, vraiment. Et on va découvrir ça maintenant. Vas-y, Fufu, tu peux commencer à ouvrir un display comme ça. Le prix moyen, maintenant que vous allez voir sur Internet, on est entre 100 et 110 euros. Voilà. Moi, je vous donne pas les prix à Manote Shop parce que je suis un bon vendeur. Un bon vendeur ne donne pas ses prix, les gars. Bien évidemment, en ligne, hein, sur Internet ou autre. Il faut se déplacer en boutique. Il nous en reste un tout petit peu. Voilà, mets-nous ça en display. Et donc, ils ont intitulé OP1, ce set de base, Romance Down. Il n'y a pas de système de première édition. Oh! Alors, à qui l'honneur d'ouvrir le booster promotionnel? Alors, à qui l'honneur? À Sophie, tu veux l'ouvrir, So? Bon, allez. Allez, je te le tends. Alors, je rappelle que là, c'est une carte promotionnelle qu'on ne peut avoir uniquement en... C'est ce qu'on appelle une buy box. Quand vous achetez une box entière, vous avez obligatoirement un petit booster avec une seule carte. Et ces cartes-là, vous ne pouvez les avoir qu'en achetant une box. Comme donc, t'es prêt à retourner? Je ne sais pas du tout laquelle ça va être. Est-ce qu'on est assez zoomé, là, Fufu? On est très bien. On est très bien? On est très bien. Ok. Allez, c'est partout. 1, 2, 3. Oh, je l'ai pas. Inuarashi. Je l'ai pas, donc très 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 cool. Je rappelle que moi j'ai ouvert 3 petits displays de mon côté, on s'est fait petits plaisirs. On s'est fait des petits plaisirs. Ah bon? Mais voilà, donc c'est parfait. C'est le clébar, comme on l'appelle dans le milieu. Tu peux me passer la carte. Donc ça, c'est juste la carte promo. Donc voilà, display basique. En vrai, ils sont pas... Il y a pas d'image. C'est Bandai. C'est Bandai, donc c'est très Dragon Ball, bah, tu vois, ou pas le display. C'est marrant, c'est qu'il y a leur ancien logo ici, mais il y a le nouveau logo là. Oui. Tu sens qu'ils ont commencé à le faire avant. Tu vois, avant, donc ça fait longtemps. Ah, que je sais pas, hein. Je sais pas. En vrai, c'est pas regarde, con. Là, y a leur, alors, non, c'est peut-être la section Bandai TCG. Ils ont pas changé leur logo pour tout ce qui est TCG. Ah, okay. Parce que je crois que Dragon Ball... écoute, je te propose de prendre 12 boosters. Et on est parti, on va découvrir ça. Je rappelle que. Comment je prends droite et gauche, si... ou alors on mélange tout? En vrai, bon, vous êtes joueurs, on mélangeait tout. On mélange tout. Allez, il est parti se faire plaisir. Là, il n'y a aucun truc à faire. La dernière carte est forcément la carte Pon. Ok. Don. Non, Pon, Don. Ah, c'est Pon. L'énergie. Don, Pon, Don, Don, Pon. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Don. 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 Voilà, Don. C'est la carte énergie. C'est la carte Don, c'est un peu la carte énergie. Et rajoute plus 1000 si tu sacrifies cette carte en défense à ton personnage, à ton leader. Allez, c'est parti, on va découvrir. J'ai trop hâte. Oh, on va découvrir. Smiley. Tous ensemble. N'hésite pas à zoomer, voilà, mets-toi bien. Rapproche-toi même un peu si tu veux. Voilà. Mets-toi juste bien, c'est le principal. Donc c'est parti, les amis. Alors, là pour l'instant, ce qu'on voit là, hein, ils ont un peu triché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques cartes,
C'est exactement. Bah, c'est... Ça, bah, celle-là, c'est littéralement un screen de l'animé. C'est... Ouais, mais là, ça se voit pas trop, c'est beau. Oui, ça va. Tu vois ou pas, c'est beau. Mais il y a des cartes, t'es vraiment en mode, les gars, vous avez abusé, tu vois. La fainéantise était assez folle. Celle-là, elle est cool. Celle-là, magnifique. Non, mais là, c'est beau. Ça, c'est des très belles cartes. Voilà, ça, c'est typique un scan. C'est typique un scan. Je rappelle que, encore une fois, le jeu n'existe pas en français. Encore un screen. Oh, elle est belle. Oh, Vergo. C'est celui qui a toujours un truc collé. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont pas collé de truc. Il y a toujours vraiment une omelette ou un steak collé à son visage. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui. D'accord, ok, ok. Il y a toujours un... Après, peut-être dans l'alternative, il a genre un steak haché, frérot. C'est... T'as jamais vu ça? Shashi. Shashi Budidana. Shashi. Naruto. Otsuru. Ouais, bon, ça, typique, c'est dégueulasse. Bah, on sait pas qui c'est, donc ils ont dit bon. Ah merde, tu sais pas qui c'est? Je sais pas qui, pas encore. Ah, c'est dans Wano, ok. Donc tu l'as pas encore vu, tu t'es arrêté où? Je suis après Doflamingo. Et toi, Sophie? Moi, je me suis arrêté à Doflamingo ouais, aussi. Ouais, bah, je suis à peu près là. Mais je crois qu'on s'est tous arrêtés à Doflamingo. Ouais. Hein. C'était tellement long après ouais, que. Mr. One dans okay. La saga de Crocodile. Bah putain, faut vraiment qu'on reprenne alors. Allez voir les règles en français, elles ont été très très bien traduites pour le coup. Basil Hawkins, sa carte est très. Alors, bien. Il faut savoir que t'as obligatoirement deux holos. Par booster. Par booster. Okay. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, une reverse et une holo. T'as compris. Alors, Basil, le beau gosse. Et ça n'existe pas les reverse, enfin, ça n'existe pas le, c'est la carte normale ouais. Et la carte reverse okay. Et la carte holo, ça, y a pas. Si elle est holo, elle est holo, elle n'existe qu'en holo. Okay. Si elle est reverse, elle n'existe qu'en reverse. Si elle est normale, une elle n'existe qu'en normale. Une petite carte entre guillemets dresseur. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc très très belle aussi. Donc elle n'existe pas en dehors de cette reverse là, voilà. Et là, c'est la dernière. Et là, ça va être la dernière. Donc suspense, c'est une holo reverse. Animal Kingdom Pirates, donc c'est sûrement. Belle. Belle, c'est dans quel arc? Il y a écrit les arcs d'ailleurs, j'ai oui, pas regardé. Animal Kingdom Pirates, je connais absolument okay. Pas. Donc, connais pas non plus. On est reparti, putain, ça ramène si loin dans l'histoire. C'est encore Wano apparemment. Eh bah, eh, pour le ouais, coup. Mais Wano, ça fait genre 7 ans que c'est là-dedans. Ouais, j'avoue, non, Wano, c'est très très long. Genre, tu peux remettre dans la boîte comme ça, au moins c'est fait. Et c'est parti, deuxième booster. Là, c'était qu'un booster. On prend notre temps. On ira un petit peu plus vite quand on aura vu l'impression de déjà vu. Voilà, c'est catastrophique. Et finalement, on tombe sur des cartes quand même très très belles. Et tu verras, quand on va avoir une secrète et tout, ça tabasse. Ça tabasse bien. Alors, Animal Kingdom, je connais pas. Toujours pas, sûrement du Wano encore. Ah. Tu vois, ça c'est typique un scan. Voilà, c'est typique. Caribou. C'est typique un screenshot, frérot. Il a lancé l'épisode, ah, il a mis à la 12ème minute. Dans l'arc des sirènes, je crois, lui là. Il y a moyen, mais quoi qu'il arrive, il a des manches trop longues. Oui. Elle est belle. Elle est belle. Alvida, elle a une belle art. Viva la vida. Elle est belle, elle aussi, tu vois. Là, ça, c'est des très belles Cavendish. Cartes. Ça, c'est des très belles cartes. Et je sais pas si t'as fait gaffe et si tu t'en souviens, mais ça ressemble beaucoup aux cartes Dragon Ball dans l'écriture. Oui, les ça. Cadres entourés, de type... Façon, oh là, j'ai eu très peur. Je suis monté comme ça, j'ai fait « Oh !» Ouais, frérot. Après, c'est One Piece, hein. Vu qu'il a une espèce de transformation, d'avoir une mécanique où tu retournes la carte et t'as son autre personnalité en fait. Sa personnalité qui est complètement flippante d'ailleurs, à Cavendish. D'accord. Un peu comme les loups-garous dans Magic. Après, peut-être que l'alternative est une oui. Transformation. Mais ça aurait été cool que ce soit une... Voilà, je connais pas. Le Wano, pareil. Ah, les pirates de Kid. Wire. Tu vois là, c'est ça a de la gueule. Là, ouais. Quand c'est pas, là ça a pas de gueule. Voilà. Là, non mais voilà, c'est. Non mais lui il est là pour être sacrifié. C'est, mais non mais c'est ça, c'est un peu en dents de scie. T'es en mode les gars, hey, il a pris un screenshot en méga zoom de la tête du PNJ, gros, que tout le monde s'en bat les couilles et ça en a fait une carte quoi, tu vois. Là par contre ça a de la gueule, tu vois. Mais c'est vrai que ça va vite quand même. Hein. Merci mon Sozal pour le 46ème. Merci Mobs. Oh, il mérite. Bon, bah voilà, tu vois. Bah, il mérite un scan. Il mérite un ouais, screenshot. Un screen mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Hein. Je me comprends. Sop, hein. Oui, parce qu'il y en a qui est venu en magasin. Il a vu, tu sais, les petits protèges cahiers. Ouais. Usopp, là, tu sais, qu'on a. Lui, ouais. Tout ce qu'il y avait Usopp, il a acheté. D'accord. Et tu sais qu'elle est reverse. Voilà. Si jamais. Bon. Oh, non, c'est une classique holo. Mais c'est un Mugiwara. Luffy oui. Oh, belle. Un leader. Donc si tu la retournes, c'est rouge normalement. Je suis un menteur, non. Donc c'est pas un leader. en fait, les leaders, quand tu retournes, c'est rouge derrière. Donc c'est pas un leader, ça c'est juste... c'est, tu peux pas l'utiliser en tant que leader. Il y a la Luffy aussi leader qui existe, mais voilà. En fait, il faut savoir que t'as un personnage, tu peux mettre des leaders sur ton board, mais là, c'est pas considéré comme un leader, c'est considéré comme un équipage en fait, enfin voilà. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu, tu vois, c'est un set de base, donc voilà, on commence déjà à faire quelques tours. Belle.
Fukurokuju. Ça me stresse ces personnages comme ça à chaque fois avec des longs lobes d'oreilles là. Pourquoi? Il n'y a pas que ça qui est long. Bah, je sais pas, ça me... je déteste bah ça. Bah oui, c'est quoi au-dessus? Son crâne? C'est son crâne. Bah, c'est son crâne, mais les lobes d'oreilles, t'as vu ça? On l'a eu. Oh! Lui, son pouvoir, j'ai jamais compris. C'est le pouvoir de la patoune. Il téléporte dès qu'il touche quelqu'un n'importe où dans le monde. Alors, le pouvoir de la patoune, oui, il renvoie tout ce qui touche ses coussinets. Genre, tu lui jettes un truc à 1000 km/h, ça fait poink, et il le renvoie à la même vitesse, voire plus. Tu vois. Et ouais, mais c'est lui qui a TP toute l'équipe de. Et on sait pourquoi il a TP déjà, tu peux rafraîchir mes souvenirs en vrai? Pour qu'ils aillent s'entraîner, pour les sauver déjà. Ouais, c'était pour les sauver, en fait ouais. Il était gentil alors qu'on croyait qu'il était méchant. En fait on l'a confondu avec les pacifistas, et quand on a vu les coussinets on s'est dit ah bah c'est le vrai celui-là. C'est bien, c'est beau en zoo. Oui c'est beau, oui, c'est beau. Beau. Donc c'est du reverse, hein. Ça brille elle de partout. Elle mérite une petite aussi. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Elle sera slivée, elle sera offerte. L'Animal Kingdom. Oh, elle est belle, elle est belle. Bon, c'est pas c'est pas le meilleur, mais quand épisode avec les gosses. Ah oui, ok, ok. Mauvais souvenir. D'accord. Round table. Celle-là, on l'avait pas vue, on l'avait pas encore eue. Mais tu vois, pour le coup, on en a beaucoup en fait des différentes à chaque fois. Hein. C'est cool. Hein. Oula. Un screenshot. Kurozu Higurashi. Elle est marrant. Naruto. Ah, j'aime bien elle. Komachi. Des fois, il serre les dents quand il parle. Ouh, celle-là elle est jolie, elle est stylée, ouais. Elle est c'est la servante de Joker. Ça c'est sa harpe. Mais c'est marrant de l'avoir en mode été et tout alors que bah normalement c'est l'hiver, tu vois. J'aime bien. Ah, il y a la carte du squelette là, comment il s'appelle déjà? Boruku. Ah voilà, c'est pas les cartes, c'est pas beau quoi, c'est pas très beau. Non, c'est pas très beau. Alors que là c'est ça, c'est beau, c'est dessiné, la carte elle est dynamique et ça donne envie quoi. Ça va être le même style aussi. Il y aura quelques screenshots. Ah, un leader. Donc elle trop le biro. Elle si tu la retournes, c'est rouge. Voilà. Donc ça c'est leader, ça veut dire que tu peux l'utiliser un peu comme un commandeur voilà sur Magic et t'es obligé d'en avoir donc trop le gars. Je le trouve trop swagué. Bah, de l'eau, c'est un personnage qui est beaucoup aimé. J'ai failli acheter son sa statue. Ouais, elle était avec magnifique. Tous les trucs à côté. Ouais, là. Et quand il avait le cœur, voilà. Donc, Jinbei. Jinbei, qui est un membre des Mugiwara. Ouais. Genre, bah, moi, j'ai... après, il y a pas longtemps, là, tu vois. Ah, ok, je sais pas. Maintenant, il est membre des Mugiwara. Ouais, il est membre des Mugiwara. D'accord, ouais. Cool. En il vrai. Fait partie vraiment de l'équipage. C'est bien qu'il y ait des nouveaux maintenant. C'est pas méchant, faut qu'il y en ait qui meurent. Prième moi, c'est parti. Ulti. Elle est belle. Elle est très belle. C'est deux rivers, très très belles. On sleeve évidemment tout ce qui est rivers, il n'y a pas de souci là-dedans. Fufu, spoil pas. Ouais, mais les gars, là, c'est des arcs, c'était il y a 7 ans, les gars, presque. Ouais, c'est bon, arrêtez. Même moi, j'ai pas spécialement. Ouais, voilà, c'est dur de pas spoiler, sinon on parle pas de l'œuvre du tout, les gars. Hein, donc, allez, donc t'as retiré le Don, c'est parti, on l'a déjà vu. Bon, ça, c'est. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Ah, on l'a pas vu. Alors ça c'est oh la grosse tête de lui là, il fait flipper. Lui c'est un dragon. C'est sa narine. Oui c'est sa grosse narine. Ok. Belle dent. Très belle dent. Lui Demon Face. Je n'ai pas le truc. Demon Face. Ah si c'est l'autre là avec ses cartes magiques, c'est une espèce d'épouvantail ou je sais pas quoi, une marionnette. Je me souviens déjà plus de la moitié du. C'est mais je vois qui c'est. C'est ouais. Faut qu'on fasse un... Ah, le meilleur Mister Two Bonkurei. Lui, il était drôle avec alors, son... Alors, vraie question. Oui. En fait, dans la traduction française, ils sont pas fait chier. C'est exactement les mêmes noms qu'en anglais. Ouais. Bah oui, c'est bien. Ouais, Mr. Two. Et est-ce que c'est les mêmes noms qu'en japonais exactement les mêmes? Ouais. Ok, bah tant mieux en vrai. Donc, c'est peut-être pour ça que le mec, il s'est Mister dit... Mister Two qui a eu la... Bah, je sais pas après, mais qui a eu la meilleure mort pour moi de... Ah ouais. Après c'était à longtemps, hein. Attention, la prescription de fou, hein. C'était genre je sais plus quel arc bien avant Doflamingo, bien avant Nico. Ah non, dommage, c'est un screenshot. C'est un screenshot, par contre en alternative elle est folle. Doucement. Ça brille pas mal. Ça brille pas mal, ça peut être peut-être Nico Robin, ah non c'est bleu. Non, c'est pas bon. Jinbei peut-être, non. Oh. Et tu sais quoi, ce n'est même pas une alternative. Ah ouais. Belle, ce n'est même pas une alternative. Ah. Ce n'est même pas une alternative, elle est magnifique. Tu vois, ça, ce genre de carte, par contre, incroyable. Incroyable. Là, c'est juste une holo, hein. Ouais, c'est juste une holo. Mais en fait, elle prend tout le cadre, elle brille bien, il a une posture. Non. Enfin, tu vois, tu sens que là, il est là pour. Elle sera dans les Mystery Box, les gars. Elle sera dans une des Mystery Box, hein, parce que je l'ai déjà. allez, c'est parti. Celle-là, on l'avait pas. Elle est belle. Tiens, tu vois, ça, c'est beau. J'arrive pas à voir qui c'est. C'est pas un screenshot, mais c'est beau. Attends.
Il y a un lion. Animal Kingdom. Mais c'est encore, on l'a pas vu, c'est à Wano. Ouais. C'est Wano encore, je crois. Non, c'est Chris Mile, donc. Non, je sais pas. Est-ce que c'est pas un pirate de barbe? Non, si, c'est Wano, c'est Wano, c'est Wano, c'est confirmé, confirmé par la barre. Donc c'est pour ça. Ah! Bellamy. L'homme ressort. Ouais. Bellamy qui s'est fait d'ailleurs, me semble-t-il, la première fois qu'on le voit, il se fait casser la gueule en sortant du bar par Luffy. Oui, c'est. J'ai encore quelques souvenirs, tu vois. Et c'est là qu'il rencontre d'ailleurs Barbe Noire pour la première fois. Voilà. Et qui était ridicule en plus. Et tout le monde, il disait à Luffy, moi je te crois, moi aussi j'ai le même rêve que toi, let's go. Et en fait, il savait déjà qu'il allait devenir une machine, quoi. Enfin, Barbe Noire. Il n'avait pas encore son fruit par contre. Allô, Jaidin. Oui, parce que Barbe Noire était ridicule avant. Oui. Mais dès qu'il a vu le fruit. Barbe Noire, je trouve que c'est vraiment un personnage trop classe. J'ai trop hâte que ça se fasse. Ah, t'aimes bien le... Ah, j'adore. Putain, je l'ai jamais aimé. J'ai toujours trouvé ridicule, mais après, je me suis arrêté là où il a pas vraiment été stylé, quoi. Bah, en vrai, quand il a. Doflamingo, il est pas stylé. Jusqu'à Doflamingo, il est pas très stylé, quoi. Ouais, mais tu sens qu'il y a un truc. C'est comme Baggy. Baggy, je le kiffe trop, le clown, là. Ah, j'aime pas, moi. Ah, je le trouve trop. Il est 20 fois mieux qu'Usopp. Ah, là, là, il y a pas mal de nouveautés, là. On enchaîne pas mal de nouveautés de cartes qu'on a pas eu. C'est le DJ, là, avec ses dents piano, là. On l'a. Tant mieux. On l'avait pas. T'as Luffy ? Frankie! Pourquoi tu as screen? Frankie, super screenshot! Frankie, qui ils l'ont détruit, hein. Ils ont détruit tout le but. Le personnage était trop bien. Et... De son humour. Ah, hein, Mister 3, la bougie. C'est pas une reverse? Non. Ok. C'est Monsieur 3, la bougie. L'homme cire. Leader, sûrement. Alors. Oh! Oh! Doflamingo. Alors. Screenshot, hein. C'est un leader, et il est pas bien mis en valeur, malheureusement, il est pas fou. Justement, les leaders, ils auraient dû faire des trucs de ouf. Mais il y a un leader de Flamingo, ça c'est stylé en vrai. Attends, est-ce que c'est bien leader? Bah je pense. Alors en fait, si tu veux, c'est le jeu de cartes, c'est un peu aussi comme c'est un peu comme Dragon Ball. Tu sais, dans Dragon Ball, tu peux prendre les gentils qui sont super et les méchants qui sont extrêmes. Ouais. Et ben là, c'est pareil. D'accord. Tu choisis, t'as un deck gentil ou un deck méchant. Deux decks gentils peuvent s'affronter, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais tu peux être le camp des méchants, quoi, dans ton deck. Avoir que des. Donc, non, mais c'est pour ça que c'est. Il y a cette composante de Dragon Ball Dokkan Battle que t'aimes bien. Moi, je me ferai un deck genre Doflamingo, tu vois. Même Crocodile. Ah, je préfère Doflamingo. Mais après, entre Law et Doflamingo, je préfère Law quand même. Ah, bah tu oui, vois. Law est mieux. Mais. Ouais, c'est classique. Ouais. Oh, Nico Robin avant. Qu'elle soit bien. Bien. Pas mal, j'aime bien. Merci mon Ifarine pour le 60e mois. Merci Nawak Raccoon pour le 19e mois. Allez, nous on est parti, on va continuer quand même. Voilà, tu l'as. En plus, il est en position. Dommage, c'est inscrit. Putain. Ouais. Mais je crois qu'il a. Ah non, il n'y a pas d'alternative dans celle-là. Une petite full art, tu vois. Un peu comme. Non, je suis d'accord. Ouais. Non, mais il y a plein de personnages qui méritent, mais ils ont tout le. Oui. Tu te doutes bien qu'ils ont. Oh, Perona. Ils ont la vie pour mais le faire. Pourquoi elle est là? Oui, c'est vrai qu'ils ont pas au Brook, oui. Perona dans le. Dans l'île des zombies. C'est pas très beau. Oh, ça brille beaucoup, mais. Ah non. C'est une holo classique. Oh, Kinemon. Voilà. Elle est pas dégueu. Comme toutes les holos, elle est pas dégueu. Bon, celle-là, par contre, elle est dégueu. La reverse. En fait, c'est. Merde, tu sais que Dragon Ball a fait ça. Regarde les dernières Dragon Ball qu'on a ouvertes. Même toi, tu. Ouais, mais non, mais il y avait quelques cartes, c'était des screens. Tu disais, ouais. Ah bah tiens, tu vois, c'est exactement. C'est la signature Bandai. C'est ça, c'est Bandai. Tiens, hop, si tu veux le mettre. Je veux le mettre sous la caméra à la place d'une carte. Le pire, je trouve, c'est. Les White Swords, genre l'attaque des titans. Il y a aucun boulot. Ah oui. Ouais, les hommes poissons, rien à péter, les hommes poissons, les gars. De quoi? T'as hâte de voir quoi? Le film de Netflix. Damn! Ouf, damn. Grand Marco, le retour, on l'a déjà vu. Ah bah tiens. Eh ben voilà. Bah en fait, la full art, c'est la zoom. C'est la version zoomée. Donc essaye de les montrer si tu peux, genre correctement pour voir la diff. Mais bah, les deux, on les voit bien. Là. Littéralement, c'est une zoomée sans le cadre, sans les encadrer. Ça c'est la full art. Mais tu l'aimes pourquoi tu l'aimes pas? Je le déteste. Il a. On l'a déjà eu. Une holo. Ah non. Non. Oh putain, t'as une secret, je crois. T'as une alternative. Je crois que c'était la T'as une alternative. Et il y a moyen que c'est peut-être Shang, je sais pas. Tout doucement. Attends. Voilà, vas-y, viens, rapproche-toi. Attends, non, parce que je faut que je reparte après. Ah ok.
doucement, c'est une quoi? Oh, oh, stylé. Rono no Azoro. Très belle. Et ben ça va être à toi de commencer. Triple sleeve. Ouais, ça va être à toi. Oh, elle est belle. Hein. En plus, oui. elle est texturée. Ah ouais, elle est belle. On va la montrer sous toutes les coutures. Oh, elle est classe par contre en plus. Yeah, on parlait de Zoro juste avant. En mode, faut qu'il ait une belle carte. Je savais pas qu'il avait. Je savais pas du tout. On voit un peu la texture. Oh, non, pas mais mec, c'est pas la texture. Regarde le dessin, les muscles du man, gros. Non, mais même la texture, hein. Elle est belle. Wow. Hein. Elle est très, 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 très belle. Et non, regarde bien. Il y a une petite empreinte digitale un peu, tu vois. Je sais pas si on peut bien zoomer. Tu veux que je zoome encore? Je suis zoomé. Ah si, là, on la voit, là. Là, ici, là, regardez. Tout le long, là, en fait, sur tout le pouvoir. Attends, c'est on va essayer de zoomer un tout petit peu. C'est bon? Ouais. Elle a de la gueule, hein. Elle est belle, hein. Elle est très, très belle. Je l'avais pas. Très content. C'est un dessin original, surtout. Bah oui. Ça, mais, ah non, mais les alternatives, ils ont fait un effort de ouf. Hein. Elles sont magnifiques, hein. C'est pour ça que limite, c'est, je trouve, presque une des plus belles que j'ai eues, moi en tout cas, de ce que j'ai ouvert. Elle est très très belle. Énervée. Ah putain, je suis content d'être tombé dessus. Énervé, puis Zoro en plus, donc c'est tout un symbole. Ils ont pas foiré sa carte, tant mieux. Mais en même temps, je pense qu'ils savent qu'il faut pas. Ah non, mais Zoro, on plaisante pas. C'est un des personnages les mieux. Je pense qu'il est peut-être même plus populaire que Luffy. Hein. La Luffy alternative, elle est belle. Ouais, mais c'est Luffy, tu vois, genre, c'est bon. Allez, c'est parti. Mugiwara. Bon, on a déjà vu, ça y est, t'es vachement zoomé, les enfants. Zoom. Ouais, c'était pour montrer... Pardon, maman. C'était pour montrer Rononoa. Mais moi, je voulais. Allez. Non, ne sors pas de hop là à chaque fois, Sophie. Bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Non, allez. Bah, non, mais fais-toi plaisir. C'est plus fort qu'elle, de toute façon, dans trois cartes, elle va le reprendre. Tu vois, c'est plus fort qu'elle. Hop là. Ça t'a fait quoi de pas le dire? Bah ça va. Je vis bien. Le chat le fait pour toi en tout cas. Otsuru. On les a déjà vus, vas-y. Hein. C'est bon, tu peux. Mais les jette comme ça, doucement. Non, on l'a pas vu. Waterfall. Gordon. King. Oh, lui on l'a pas vu. Bien, on l'avait pas vu. Tu l'as? C'est un leader. Ah oui, ouais, c'est un leader. C'est un leader du mal. Oh, une reverse. Dangerous. Ok. Très bien. Et derrière. Non, je ne sais même pas. Parce que c'est un leader. Hop là. Oh, elle est belle. Tu vois, c'est ça, quoi cette art? C'est juste une reverse, mais elle est belle. Ah, elle est belle, tu vois. C'est ça le truc en fait. C'est que c'est vraiment en dents de scie. Ça, c'est pas dessiné par. Non, mais ça, c'est un beau doflamingo. Trop stylé. Tu vois, ça, c'est un beau doflamingo. Attends, je vais zoomer encore un peu. Et claque de ouf, tu vois. Et les gars, c'est qu'une reverse. Elle est. T'as vu? Ça, tu l'as en tableau. Ouais, elle est belle, elle est magnifique. C'est pas du Eiichiro Oda, c'est pas son style, mais en vrai, c'est cool qu'il confie des arts à d'autres personnes. Pareil, la Zoro. Faut faire comme incroyable. Pokémon, hein. C'est, ouais. Faut faire comme Pokémon. S'ils veulent enchaîner, de toute façon. Ils vont pas avoir choix. Et voilà, vous pouvez la sliver. Oh là là là. Les chiffres en haut à droite, c'est la puissance d'attaque ou de défense. Voilà. Oh, moche, hein. Elle est pas très belle. Oh, on l'a pas eu. Bah, tu parlais d'Art à Dancy. Belle, hein. Ouais. elle est belle, hein, elle tu vois. C'est une belle. C'est même pas. Je sais pas comment. On peut même pas appeler full art, mais. Desert Spad. Ah, c'est l'épée de Desertique. C'est bon, je l'ai, le Desert Spad. Oh, on l'a pas eu celui-là. Belle. Drake. Non. Une holo. Oh, belle. Pourquoi c'est un screen à des animés? Ouais, mais c'est une holo basique, elle est pas dégueu, tu vois. C'est Bangkok qu'on aime bien. C'est un screen qui a été bien pris, on va dire. Il n'y a rien à voir avec One Piece. Oui, bah, je me doute. Ah, bang. C'est quoi? On l'avait pas vu, celle-là. Ouais. Ah bah tiens, il y a celle qui est moche qui est là. Alors. Mais en fait, c'est des kappas. C'est exactement ça. Kappa? Ouais, c'est des trucs japonais. Ils ont. Ah, on l'a pas eu, celle-là. C'est l'armée des. Avec la fumée. Enfin, c'est la fumée en nuage. Elle est trop belle celle-là par contre. Et je crois qu'elle a une alternative. Celle-là, je suis pas sûr. Elle est très bien. N'importe quoi. Karoto. Karoto. Sangoku dans Dragon Ball. Tu regardes, c'est un kappa. Ouais, lui, ouais. Mais les autres, non? Si, mais ils ont le même chapeau. C'est pour faire la team des kappas. Ah, ça, tiens, on l'a déjà eu. Ah, d'accord. Ok. Radical Beam. Ça, c'est l'attaque de Franky. Oh là. Oh, oh là. Ah, un leader. Peut-être Luffy. Monkey dit Luffy. En leader. Les leaders, ils auraient pu faire un petit truc. Ouais. Il y a le côté rouge et vert.
prononce une river, c'est pas... Thunderbolt. Oh, ils abusent. Bah pourquoi? Oh, ça va, ça fait... Nami, on l'avait pas eu encore. Nami, 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 oh. Là, c'est le don, là, c'est le don. Non, 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 bah enlève-le pour le montrer. Si, si, si. En fait, les gars, dans chaque display... Dans chaque display, vous avez un don spécial. Et regarde, il est trop cool. Au lieu du don classique. Voilà, c'est le dom, c'est l'énergie, mais un peu spécial. Ok, je serai et le roi des pirates. Dans chaque display, vous en avez un. Trop bien. Voilà, c'est une énergie un peu plus. En gros, tu joues qu'avec ça si t'en as, si t'as que ça. Ouais. C'est mieux que le dom classique qui est ça. Ouais. Voilà, où il écrit DON. Le classique, il est comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes cartes. C'est les cartes énergie, ça équivaut aux cartes énergie. Et c'est juste que c'est dans chaque display, il y en a une un peu sympa. Ouais, bah, c'est cool, c'est je serai le roi des pirates. Le reverse. Voilà. Ah, pas grand chose. Il est horrible. Pas grand chose. Attends, il y a pas une carte d'ailleurs. Non, j'ai pas. Ok. Bah c'était l'ennemi d'ailleurs de Trafalgar. De Trafalgar Dilo. Oui, non mais c'était dans l'arc dans juste avant Doflamingo. Ouais, il était dans le labo. Tony. Le premier chopper. Tony chopper. Il y a des gens qui donnent des choses là. Merde, excusez-moi, le chat. Merci Max Le S pour le prime, bienvenue à toi. Merci à Brandy Chauve pour Ashirogi. Merci Tiramisu pour le 32e mois. Merci Enora. Rouge derrière. Senji. Senji. Il est rouge. Oui, c'est un leader. Ah, tous les leaders sont rouges. Oui, c'est... Et tous les rouges sont leaders. Et ouais, et tous les... Exactement. Doucement. Dommage. Drake. Oh. X Drake. Allez, suivant. Faut que j'enlève 6. Ah, vida. Très content de la Zoro, vraiment. Hop, Cavendish. Officier agent. Je m'appelle officier agent et vous qui Badami, ça on Badami. Les a déjà tu peux Shinobu. Y aller, tu peux y aller. Scratchman. Komurotsuki. Basil. Basil plein de bouche. Kaido. On l'avait pas le leader attention, Kaido. Attention. Non, ça c'est la reverse donc Punk. C'est pas voilà. Par contre en dessous. Kaido. Bien. Tiens, bien bien bien. Je te donne Kaido. Kaido en leader. Et donc là, en leader, on a Crocodile, Kaido, en leader méchant, on a qui d'autre? Ah non, Doflamingo. Oh, Gecko Moria. En fait, en gros, je connais les personnages de One Piece avec leur rire. Juste avec le rire. Putain, la tête qu'il a. Il est horrible et tout. Il est super aigu. On y arrive. On l'a déjà eu. Black Maria. Oh. Elle est stylée, elle. Hein. On l'a pas eu, elle. Hein. Elle est belle, hein. Non. Non. Ah, Shanks. Gomu, Gomu. Non. Non. Non, vas-y, non, vas-y, c'est, vas-y. C'est une technique de Luffy. Non. Oh. C'est une attaque. C'est une attaque. Ouais. Donc. C'est Nolo, c'est Nolo. Mais oui, c'est Nolo. Oh, Trafalgar Dilo. Mais non, mais j'avais déjà oublié. Hein. De que j'avais enlevé la dernière fois. Bah, il faut aller voir un neurologue en fait. C'est pas. Faut pas. Un neuropticien. Et celle-là sera aussi évidemment à gagner. Allez hop, on y va. La carte One Piece la plus rare que t'es paquée jusque-là. J'ai les deux autres Shanks. Et Nami. Nami, c'est une des plus rares. Le Zoro en leader. Zoro en leader, on l'avait pas. Doucement après. Celle-là. Non, mais celle-là, non, mais la donne pas. Bah non, c'est une classique, enfin ça va. Oh. Non, une holotoko, une holotoko. Hop là. Mais tu l'as pas déjà eu à l'instant là? Non, non. Ouais, Miss Double Fingers. Pourquoi on l'appelle Miss Double Finger? Parce qu'elle tire avec ses deux doigts? Runter. J'en ai aucune idée. Non, parce qu'en fait, elle joue double jeu, je crois. D'accord. Bababanouki. Mais elle joue pas double doigt. Pingouin. Ouais, mais c'est comme dans Game of Thrones, c'est double finger. D'accord. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Oh, on l'avait pas celle-là? Kuruzumi? Non? Elle me dit rien. Moi non plus. On l'avait pas. Et non, c'est après, c'est après. La page 1. Page 1. Ça, on sait pas, c'est Wano. Oh, ça sent Nami. Vas-y. D'un coup. Vas-y. Hop, voilà. Et ben, c'était elle, c'est celle que t'as donnée, tu vois. J'avais dit. C'est une des plus recherchées, si jamais. Au Japon, elle vaut 200$. Ah, quand même. C'est Nami, bah... Voilà, on va dire qu'elle a des opportunités de carrière, des opportunités de carrière très impressionnantes. Bah GG, on a les deux secrets. Bon, vas-y, tu peux ouvrir, Fufu, si tu veux. Prends-en une et joue les deux derniers. Voilà les deux secrets. Bon, hé, Nami et Zoro, je suis très content.
$100 par opportunité. $100 par opportunité. Elle a des qualités. Elle a des qualités. Je suis très très content. Voilà, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a plus de secret. Bon, à part une découverte. Elle a une sorte de chance. Ah bah là, s'il y a une secret, les gars, je comprends pas parce que normalement c'est pas faisable. Mais Otama. C'est vraiment. Oh, on l'avait pas la leader. Otama. Non. Non, celle-là, comment il s'appelle Oden. Personne ne m'aide. Oden. Oden, voilà. On l'avait pas celle-là. Donc leader. Leader gentil ? Oui. Ok. Bon, c'est pas le plus. Non, c'est fini. Ah, c'est fini. T'as eu deux leaders. Et voilà. Ok. Bon, là, il n'y a plus rien. Ouais. Ouais. Soupa. Oh. Le fruit. Oh, soup. Oh, quoi ? Oh, Attends, passe-la-moi, je crois pas que ça... Attends, mais non. Quoi ? Non, mais c'est pas une secrète, alors. Mais j'en sais rien, mais elle est trop belle, la carte ! Bah alors, t'as dit qu'il y en avait que deux ? Non, mais attendez, laissez-moi réfléchir. Alors, bah non, mais elle est texturée, c'est une secrète. Non, la Nami, c'est sûr, c'est une alternative, frérot. C'est considéré comme une secrète, c'est sûr à 100%. Mais... Regarde dans le... Les gars, ils. Mais non, c'est pas. J'en ai déjà ouvert 3, j'ai vu tout le monde ouvrir en boutique. T'as pas plus de 2 comme ça. Bah, regarde dans le truc. C'est ou pas. Je crois que c'est elle qui devient la nouvelle. C'est peut-être parce que c'est la 121. Elle est stylée, hein. Attendez. 7 One Piece. Surtout, j'ai une connerie, j'en sais rien. Mais je crois que c'est elle. Non, mais c'est. Les 3 sont texturés en fait. Ah ouais, bah gros, je t'avais dit, une troisième, j'avais call. Ouais. Je donne un booster à Sophie, il y a la secrète, et je dis qu'il y en aura un troisième, et voilà. Il y en a peut-être une quatrième d'ailleurs. Bon bah, impossible. Non, là, je veux bien croire au Père Noël, mais. Le chat, quelqu'un peut expliquer là ce qu'on vient de vivre ? Et en plus, il l'a ouvert normal. Bah oui, j'ai ouvert normal parce que je m'attendais à rien. Zoro. Est stylé celle-là aussi, là, Zoro, là. Bon, dommage que l'image soit. Attends. Et pour finir, la petite Zoro. Ouais. Ouais, mais j'essaye de comprendre. La magie de Noël, il y en a qui disent. Parce que c'est texturé. Mais non, mais c'est bon, normalement, c'est pas faisable. Et... On a eu un display bug. Ou alors, c'est une giga full art. Mais pourquoi sec pour secret, comme par hasard? Bah, c'est vrai. T'as pas une liste? Non. J'ai pas le set. Je l'ai cherché. Attends, collection. On va les remontrer une par une. Mais avec tout ce que j'ai vu en boutique et tout, tout ce que j'ai vu sur internet, c'est la première fois 3 secrets en une box gros. Les gars, c'est incroyable. En plus, vraiment. Je l'ai ouvert normal comme un chien et tout. Je me dis, bah attends, mais je comprends pas. C'est incroyable. Genre, 3 secrets en une box. C'est ouf. Par contre, les secrets, elles sont grave stylées. Autant les autres, bah, pas tip top, mais ouais, les cartes communes. Par contre, ils ont... Bah, je vais pas me plaindre, hein, je suis très content, putain. Très, très, très content. La Nami, les gars, sera glissée dans une Mystery Box. Dans les Mystery Box que je vais finir, évidemment. Eh bien, écoutez. La Zoro, tu l'avais pas ? La Zoro, non. Non. Non, il y a que la Nami. Et si, l'alternative aussi de. Enfin, la 121ème. Mais ouais, trop cool. 3 secrets, une display. Et j'avais dit quoi ? Dès le début du record, j'ai dit les gars, c'est 2 max, on n'a jamais vu 3. Mais non, mais tu vois, non, mais c'est la preuve. Mais c'est pour te donner tort. Voilà, mais je l'ai dit, bah j'ai eu tort, oui, j'ai totalement eu tort. Donc les gars, il peut y avoir 3 secrets. Je suis incroyable. I am on the cul. Du coup, très content. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vous a plu le chat ? Vous voudrez revoir du One Piece ou pas ? One Piece. Surtout quand il y a 3 secrets, ouais. Est-ce que vous voudrez revoir du One Piece ou pas ? Putain, ça veut dire ? En vrai, on se fait ça semaine prochaine ?